En quoi consiste votre métier? Fabriquer des pièces. On part d'un bloc en métal. Pour l'occurrence, c'est un cylindre. Et après, on sort la pièce à partir du bloc. À quoi servent les pièces que vous fabriquez? On ne sait pas toujours à quoi elles sont destinées, mais ça sert. On peut travailler pour des chaînes de production, pour de la mécanique pure, pour un peu de tout, la réparation. Vous faites des nombres restreints de pièces et des grands nombres de pièces? Voilà, on fait de la petite et moyenne série. C'est sur demande avec les entreprises. Voilà. Quel a été votre parcours pour arriver à faire votre métier de fraiseur, usineur? J'ai fait un BEP CAP à l'ENEC à Rennes en microtechnique. Et après, j'ai fait un bac pro en alternance à la FPI, à Nantes. Ça consistait en quoi l'alternance et qu'est-ce qui est arrivé après? Ça consistait à me former par rapport à l'entreprise et ensuite à être embauchée directement. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces métiers de la métallurgie? C'est la conseillère d'orientation qui m'a parlé de ces métiers de métallurgie. Parce qu'en fait, je lui ai parlé que j'aimais beaucoup les cours de technologie au collège. Et du coup, elle m'a orientée vers la métallurgie. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? La diversité, le travail qui n'est pas à la chaîne, voilà, les horaires. Quels sont les inconvénients de votre métier? Le bruit, c'est pas forcément très propre ce qu'on touche, mais ça va. Reste quand même. Oui, ça va.